Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur The Legend of Zelda The Wind Waker. Donc pour aujourd'hui, on va se rendre ici au second temple. Hein. On a fait le temple de la terre la dernière fois avec Medoli. On est en train de se faire maintenant le temple du ciel. Voler au temple, chercher le sage et revenir. La première chose à faire, si vous entendez bien, allez apprendre le chant. Mais merde, j'ai raté le trésor, tant pis. D'ailleurs, pour ça, là, c'est l'île de la phase 5. Là, c'est la tour des dieux. C'est celle-ci. La single, il me dit qu'il est là, ok. Super 4 qui me dit où se trouve l'emplacement de la Triforce. Il y en a tout au nord-est. Ah, intéressant. Et il y a 3 qui sont pas loin de l'aurore. On fera ça plus tard, hein, lorsqu'on aura. Enfin, comment dire, lorsqu'on aura. Lorsqu'on aura déjà fait l'épreuve des deux temples. Il y a des navires de guerre ici. Bon. Alors vous avez compris qu'il nous faut les bottes de plomb, hein. Il n'y a pas les bottes de plomb, on ne peut pas détruire ce truc. Et là, il faudra, je pense, la masse. Voilà. Et un autre hymne. Au haut, bas, droite, gauche, droite. C'est un petit peu l'hymne à la joie. Non mince. Ah mince. J'ai pas ce système. Vous avez appris l'hymne du dieu du vent. Et le sage du vent apparaît, et c'est un Kokiri! Tu es le nouveau héros? Je suis Fatou, du peuple Kokiri. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un grand sage. J'ai beaucoup prié ici pour cette épée et le pouvoir de repousser le mal. Mais Ganondorf m'a attaqué, il m'a donné l'apparence où tu vois. Ouais, il t'a tué quoi. T'aimerais rendre ses pouvoirs avec Excalibur, c'est bien ça? Oui. Alors cherche quelqu'un qui possède le même instrument de musique que moi. Et apprends le morceau que tu viens de jouer. Vous vous rappelez, il y a bien une personne qui correspond à cette description. Cette personne devra savoir qu'elle est du même sang que le sage. Autrefois, nous autres, les sages, nous utilisions la baguette que tu possèdes pour jouer les morceaux qui nous permettaient d'invoquer les dieux. C'était toujours Sa Majesté le Roi qui utilisait la baguette pour nous diriger. Dis bien Sa Majesté que nous continuons à jouer au paradis. Bon, les Kokiri sont les enfants de la forêt, protégés par l'arbre Mojo, je pense que vous aurez compris, hein. Faut qu'on aille donc voir dans la forêt Korogu. Parce que les Korogu sont les descendants des Kokiri. Eh ouais. C'est surprenant, mais c'est vrai. Voilà, on a un navire pirate, hein.
Alors c'est très simple peut-être. Téléportation! Île de forêt, hop. Et la bombe qui a ses fiches dans les airs, j'adore. Allez, on y va, on est pas loin en plus. Bon, allez, ça peut être très dur. Hein. Les monstres ici ont les pulvérises. Ah, ça a oublié, il faut le grappin à griffe. C'est la trouille, ta saloperie. Bon, fait presque peur cet emmerdeur. Ah, mon dernier instrument, vous avez entendu. En tout cas, le taureau, c'est pas être à mon baiser. Mais non! En tout cas, le petit rythme de... Hop, on va se balancer. Franchement, les graines et les trésors, je m'en fous un peu maintenant, hein, au niveau du jeu. Non! Voilà. Et tu bouffes et tu respectes. Je vous jure, sérieusement, là. Et on va donc aller voir dans la forêt Korogu. On trouve son cher ami. Alors, la feuille mojo, je pense qu'elle sera utile. Voilà, bon mojo. Est-ce que tout se passe bien, Link? Je me fais vieux, comme tu peux le constater. Le seul avantage que j'ai tiré de mon grand âge est la connaissance. C'est savoir quelque chose et ne pas le questionner. Oui. Allez, corps au goût. Dis-moi de quelque part dans l'île, dehors peut-être. Et l'eau de la forêt. L'eau de la forêt, ce mal est à l'extérieur. Elle perd toutes ses vertus propres 20 minutes après sortie. C'est précis, hein. Bon, oui du Moria, je suis sûr qu'il est à l'extérieur. C'est pas par là-bas, cet emmerdeur. On va aller le chercher là-bas.
Blue List, Rickner. Oh, il est le plus haut. Oh, il va me faire chier. Il faut recommencer toutes ces épreuves-là, ça va être chiant, je vous le dis. Raté. Remonter tout en haut pour le trouver sur Kina du Moria. Il serait pas là-bas. J'espère qu'il est bien là, hein, parce que s'il faut que je monte à tout le chemin, ça va me faire suer. Hein. Oh! Il est pas là-bas, il est pas là-bas défendu. Regardez, il est là-haut, son culé. Oh putain! Oh le bâtard! Allez hop. Bien, allez, on va aller en face donc, hein. Bon, du moins, t'es là. Tu m'as sacrément emmerdé, toi. Non, mais où est-ce qu'il est? T'es trop du cul. On l'entendait à un moment lorsqu'on était... Où est-ce ici ça? Est-ce que c'était? Pas dingue, on l'avait trouvé, enfin on avait entendu au moment cet imbécile. On l'entend, vous l'entendez là? Il fout la paix toi. Derrière la cascade? Ok, ah, il est là en fait, son merdeur. On va faire cette cascade, d'accord.
Et si je joue ici alors? Ah ouais, vous jouez, faut que je me rappelle déjà l'hymne. Oh, haut, bas, droite, gauche, droite. Super. J'ai le truc là, il y a un truc à faire forcément. Pas moi de couper l'eau. Foutez-moi la paix là. Ah bah oui, je suis bête. On utilise grappin griffe. On descend. Et on s'est jeté dans la cascade. Forcément ça. C'est forcément ça. Il bouge toujours le bouton, moi. C'est pas une bombe, un truc comme ça, là. Attendez, c'est forcément ça. Non mais... Comment est-ce que c'est possible de foutre ça sur la cascade, là? C'est quoi les gens? M'excuserez, je fais une pause, je vous retrouve tout à l'heure. Re! Eh ben c'est bel et bien comme je le faisais. Avec ce grappin. Il faut être bien en face. Et non, les gants, les bottes, c'est pas possible parce que les bottes. Je rappelle que. Voilà. On ne peut pas les porter quand vous nagez. Et voilà! Il est planqué ici. J'ai oublié ce champ. Au haut, bas, droite, droite. Et voilà! L'île du vent. C'est une blague. Oh Link, je suis content de te voir. Tu vas donc trouver. Tu te demandes pourquoi je me cache ici. Je serai le morceau que je jouerai l'an prochain lors de la cérémonie. Je veux pas que les autres m'entendent. Faut donc m'entendre de l'extérieur. Ah bon. Je vais un petit peu moins fort alors. Mais c'est une baguette que tu as là. Tu es donc Shavercast, Link? C'est formidable. Et si tu me dirigeais, qu'en es-tu? Mais quelle impression étrange. J'ai le sentiment d'avoir déjà connu cela.
Tu es donc descendant du sage. Link! Grâce à ce poste divin, je suis devenu le sage du temple du vent. Ma mission consiste à rendre à ton épée et ses bulles le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Et pour que nous puissions venger les anciens, et afin que tu nous conduises au temple du vent, Link. Et voilà! On va enfin réussir. On va pouvoir se rendre au temple du vent. Non. Non! Voilà, je reconnais la tornade. On va donc partir avec notre ami. Par là-bas, voilà. Et voilà la nouvelle mercantile. On va remettre la super voile. Et on va donc se diriger vers l'île avec le temple du vent. Temple du vent que je ne connais pas. Hein. C'est la petite île des fées, on la connaît. Là c'est le dragon, la tour des dieux. L'HTU. Un trésor, je sais pas combien c'est. C'est 50 rubis. De toute façon, on aura besoin de beaucoup de rubis. Hein. Regardez où il est. On le travaille, il se promène sur la tête du lion rouge. Et nous arrivons au temple du vent. Link, tout comme Medoli, du moins doit posséder certains pouvoirs. À toi de découvrir lesquels. Unissez vos efforts dans ce nouveau temple et vous surmonterez les épreuves. Allez, on y va. Le gros problème du Moria, c'est qu'il est pas rapide du tout. Ouais, ça y met 3 heures à venir. Bon allez, on va jouer l'hymne. Je vous rajoute cette putain de chanson. Là. L'entrée du temple du vent. Allez, on saute. Bon, on peut sortir toujours, hein. Et là, qu'est-ce que ça va être le temple, là? Un machin avec du vent. Oh, comme c'est original. Alors, du moins, il peut faire des trucs sympas.
Oh putain. Tu vois ce qu'il veut faire, c'est planter des graines qui poussent très très vite. Oh la vache! Alors, oui, alors c'est sûr. Bah, tu fous la paix. Où c'est donc? Du. Je vais au moins essayer de passer la première salle, hein. Je sais pas quel intérêt de faire pousser ces trucs-là. Ah bah c'est un coffre. Est-ce que du moment on peut ouvrir les coffres? Non. Heureusement, il peut voler. On va le laisser là. Link, tu vas rouvrir le coffre. Truc là, ce que c'est quand ça marche, on met les bottes, on les retire et pouf. Allez, on passe et on se tire. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, j'ai pas envie de me frotter le monstre. Vite, 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 vite. On va soulever du Moria. On va ignorer Sakdos. Et on va rentrer ici. Et je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ça va être un bon début. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Et salut tout le monde.